Trail des Deux Sœurs pour le 50 km du trail de la Pointe du Cap. Allez, départ du trail du Cap. On a fait 6 km, c'est le début. Ah oui, il y a un mot que... Ça va être ça, c'est bon. On fait descente. Alors, pour l'instant, comme on vient de démarrer, il y a du monde. Kilomètre 8, tout va bien, on va tranquille, ça bouchonne un peu par moment. La météo est pas trop mal, il prend plus que le soleil. La pointe du vent m'a dit mon guide touristique, le Francky. Bon là c'est parti facile. Parce que tout à l'heure c'était bien technique, ouais. Des cailloux partout. Là ça roule. Au kilomètre 16, on arrive au ravito. Ça fait 1h40 qu'on court. Tranquillou. Il y a même des gens qui filment. C'est dingue. Hein. Ils ont entendu la fin, c'est ouf. Là on arrive de là-haut. On est sur la baie des... La plage de la baie est très passée. Et après on repart là-haut. Pour aller jusqu'au sémaphore au bout, puis après encore 30 bornes quoi. Salut! Bon, pour l'instant tout va bien. Bon, on a fait 18 bornes quoi. Merci! Un peu de sable maintenant pour changer. Alors du caillou, c'est même pas du sable, c'est du caillou. Du coup, ça change pas. Voilà, un peu plus de 20 bornes. Et on arrive à la Pointe du Roi. Très dérangeant là. Il allait accélérer après là, pour la deuxième partie. Bon, Francky m'a lâché, vas-y, vas-y. Il est parti comme une balle sur le challenge. Une portion chronométrée. Il a voulu se faire plaisir. Là, là ça grimpe bien. Dans les côtes, je marche. But c'est de finir. Hein. Kilomètre 27. Kilomètre 29, ça va. Jambes un peu lourdes forcément, 30 bornes. Normal, mais ça va, j'avais peur d'avoir des crampes et finalement c'est juste une alerte. C'est passé. On a presque le soleil. Et Franck est toujours devant. Là c'est fait. 3h15 de course. Kilomètre 33 là, on a le vent de face.
1,38 km, ça rigole moins. J'ai mal aux jambes, les mollets sont durs, donc j'ai ralenti l'allure. Donc il reste 12 bornes. On finira, mais tranquille. Le 41e passé, on est dans la merde. Complet. C'est bien bien boueux. Mais on est à l'abri du vent, on n'est plus sur la côte. Donc là, je viens de passer le dernier ravito. Il reste 9 km. Donc les adducteurs sont durs. Les mollets aussi, j'ai moins de jambes. Donc quand je peux courir, je cours moins vite. Parce que là, compliqué. Ouais, j'arrive au kilomètre 49. J'entends le speaker, donc je ne suis plus très loin de l'arrivée. Ça fait 6h30 que je cours. 6h32 je crois. Ouais, les jambes sont lourdes quand même. Ouais, j'ai plus 20 ans. Mais bon, l'objectif va être de finir. Donc ça c'est fait. C'est cool. Ouais. Et voilà l'arrivée. 5h49. Les mollets sont bien durs. Putain, Francky a mis la voiture à chauffer. Francky ! En 5h43 sur le 50 km, bravo, bravo. Delphine Briquet du SNO Athlétisme sur le 30 km. Morgan Jaffe. Yeah. Didier Blanchard, bravo. Frédéric Lebert du SNO Athlétisme sur le 50 km en 5h43, bravo. Merci. Bravo. Ah bon? Vas-y, mets ta chaussette. Oh, le mollet gauche maintenant. Putain. Putain, c'est ouf. Ça crampe, c'est bon. 4 jours à changer de ça, quoi.